Good morning, allez Yiden et tu seras aujourd'hui l'Irfoua Tarav Baruch Shmuel Ben La Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Megillah Pergidalet Mishnah Bet. Berashir Chodashim ou Vecholo Shal Moed Korin Arba'a. En Pochatin Me'en Ven Mosifin Alein. Ven Maftirin Benavi. Apoteach Vechotem Batora. Mevarech Lefanea Ul Acharea. Ze Aklal. Kol Sheyesh Bo Musaf. Ve Eno Yom Tov Korin Arba'a. Be Yom Tov Korin Chamisha. ביום הכיפורים שישה, בשבת שבעה, אין פוחתין מהן, אבל מוסיפין עליהן ומפתירים לנביא. הפותח והחותם בתורה, מברך לפניה ולאחריה. Je vous ai dit, depuis le Père Gidalet, il porte essentiellement sur la Kriyat Torah, la lecture de la Torah en public, et puis, en rapport avec un petit peu la lecture de la Megillah, c'est comme ça qu'on a eu l'occasion d'entrer dans ce sujet. Et puis, du coup, on va ensuite apporter toutes sortes de mitzvot qu'on accomplit en public, comment les accomplir, on va parler de la Tfila Betzibour, qui peut me faire la tfila Betzibour et tout ça, ce sera le sujet. Pour le moment, on continue avec les halakhot de la Kriyat Torah. Combien de personnes doivent lire à la Torah? En rapport avec la mission précédente, on avait vu que 3 personnes lisent pour le lundi, jeudi et Shabbat à Mincha. Alors, en fait, ce qu'on va voir, il y a deux choses qu'on va voir. C'est tout d'abord, plus le jour est Kadosh, et plus on va faire monter de personnes à la Torah obligatoirement. C'est-à-dire, un jour de semaine, 3 personnes. Ah, un jour de Rosh Chodesh où il y a Moussaf, 4 personnes. Prenez Hanouka, on fait le Halel, mais il n'y a pas de Moussaf, on fait que 3. Halel, 4 personnes. Yom Tov, que maintenant c'est encore plus Kadosh, parce que cette fois-ci c'est même Asur Bimlacha, on n'a pas le droit de travailler à Yom Tov, 5 personnes. Yom Kippour, c'est encore plus grave que Yom Tov, parce qu'en plus de ça, il y a Chiyuv Karet, on est Chayav de retranchement, Chassu Shalom, ceux qui transgressent, 6. Et c'est quoi le jour le encore plus Kadosh? Shabbat, il y a 7. Le Shabbat, parce que cette fois-ci, c'est pas juste qu'on est Chayav Karet, on est Chayav Mitav, Chayav Skila, la plus grave des mitotes. Des condamnations à mort pour ceux qui transgressent. Alors là, c'est 7 personnes. Ça, c'est un premier sujet. Je vous dis tout, comme ça, après, on avance, on traduit, on aura tout compris très vite. Et puis, il y a un deuxième sujet aussi, entre parenthèses, c'est le devoir de lire en plus de ça la Haftara, et aussi la possibilité de faire monter plus de personnes à la Torah, faire des mosifs, lire plus de personnes à la Torah. Soit, le principe pour les deux, c'est le même principe, c'est est-ce que c'est un jour où on a le droit de travailler ou pas. Si on a le droit de travailler, alors on ne va pas alourdir la tâche pour les gens qui doivent vite partir travailler. Donc, on pourra pas. Il y aura un interdit d'ajouter plus de personnes. On n'ira pas de Haftara non plus. Tandis que les jours de Yom Tov, Yom Kippour et Shabbat, alors on aura le droit, puisqu'on a, on travaille pas de toute façon, alors on a le droit de rajouter, de lire plus de personnes à la Torah. D'accord? Plus de personnes et aussi le devoir de faire. Si on a envie, comme un Shabbat, on a envie de faire monter 7 personnes, 10 personnes, 12 personnes, il y a un Shabbat Ratan, un Shabbat Bar Mitzvah, on peut les faire tous monter, il n'y a pas de problème. Et puis en plus de ça, il y a même le devoir de lire l'Aftara ensuite. On fait tout ça dans les mots. Berashir Chodashim ou Becholo Shel Moed. A Rosh Chodesh et A Chol HaMoed aussi. Chol HaMoed qui est un jour, on a le droit de travailler. On a le droit de tout faire, on a le droit, il y a des travaux qu'on a le droit de faire en tout cas. Celui qui est Tzor Kerabim. Alors, on apprendra ça bientôt dans Masechet Moed Katan, notre prochaine Masechet. Et donc. Mais c'est un jour où il y a quand même des korban moussaf. Alors quoi? Korin arba, on lit 4 personnes. En pochatin me'en, ven mosafin aleen. On n'aura pas le droit de faire monter moins de personnes. 4 obligatoirement. Et on ne peut pas ajouter plus de personnes. Juste 4, ni plus ni moins. Ven maftirin le navi, et on ne fait pas de haftara dans le navi. À part ça, apotar vachotem batora mevarech lefanea olachareya. Celui qui ouvre et celui qui ferme la Torah, eh bien, il devra dire la bracha. C'est comme la mishnah précédente, il n'y a aucun changement. C'est-à-dire, selon la takana initiale de faire la bracha à la Torah, d'instaurer la Torah, de lire la Torah en public et de faire la bracha, alors lorsqu'on fait monter 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, même 7 personnes de Shabbat, celui qui monte le premier, il dit la première bracha, il finit de lire, il s'arrête, il se met de côté, quelqu'un d'autre vient sans faire de bracha et il continue à lire et tout ça jusqu'à qu'on a fait monter les 7 personnes. Le dernier qui est le mashlim, qui complète, alors lui, il dit la bracha, et il dit la bracha avec la niche aussi. Et c'est lui qui a dit la bracha. Ça, c'est dans la takana initiale. Après, Khamim ont instauré que non. C'est déjà dans la Gemara qu'en fait, il faut que chaque personne qui monte, il fait la bracha avant et après, de peur qu'il y ait des personnes qui vont arriver en retard, qui vont voir qu'une personne qui monte lire à la Torah et qui ne fait pas de bracha avant, qui ne fait pas de bracha après, ils vont dire qu'on a besoin de faire la bracha sur la Torah. Donc, du coup, on a instauré que chaque personne qui va lire à la Torah devra lui-même faire une bracha avant et après au moment de sa lecture. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on a vu à Poter Vachotem Batora, celui qui ouvre la lecture et celui qui conclut, qui signe, qui conclut la Torah, la lecture de la Torah, eh bien, Mevarech, Lefanea, Olachareya, il fait la bracha avant et après.
Zaklal, telle est la généralité. Kol sheyesh bo musaf, ve'eno yom tov. Si c'est un jour où il y a un moussaf, c'est-à-dire qu'à l'époque du Beit HaMikdash, il y avait des korbanot supplémentaires à apporter ce jour-là, comme Rosh Chodesh, et comme à Chol HaMoed. Et bien dans ce cas-là, mais ce n'est pas encore un jour de Yom Tov qui est interdit de travailler, et bien Korin Arba'a, on ira 4 personnes. Be Yom Tov, Chamisha. A Yom Tov, on ira 5 personnes, puisque cette fois-ci, on est interdit de travailler. Be Yom Kippurim Shisha, Yom Kippur, on lit 6 personnes, monte à la Torah. Et Be Shabbat, si ça tombe Shabbat, Shiv'a, 7 personnes. En Pochatin Mehem, on n'a pas le droit de faire monter moins de personnes durant ces jours-là. Mais par contre, on travaille Mossi Finale, nous, on aura le droit de rajouter des personnes qui vont monter en plus. Maftirin Banavi, et on lira le Maftir dans le Navi, c'est-à-dire dans les livres des prophètes. Il faudra lire le Maftir comme ce qu'on a besoin aujourd'hui. Apodar Vachotem Batora, Mevarech Lefania Olachara, tout celui qui ouvre et celui qui ferme la lecture de la Torah, donc là, on va se retrouver à Shabbat par exemple avec 7 personnes, le premier et le dernier, eh bien, celui qui ouvre, il fait une bracha avant, et celui qui ferme, il fait une bracha après. Ok? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.